Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon les petits potes, récompense fut champion, 11 ce week-end, franchement. Pas grand chose à dire de plus, le jeu en lui-même est toujours un peu le même. Maintenant, voilà, on va faire je pense 11 maximum là pour les prochaines Team of the Week. Pour les prochaines tots, on a vraiment essayé pour la PL d'avoir Rashford. Ouais, on est à 3 millions. Est-ce qu'on va essayer d'aller le chercher? Je sais pas trop. On verra un peu si on peut. En gros, voilà, là, on va pas se prendre la tête tellement sur tout ça. Du coup, on va tout simplement ouvrir des packs. On va regarder bien évidemment d'abord la tots qui est sortie de Bundesliga. Donc Bellingham, bien évidemment, très intéressant. Moussiala peut être cool. Après, je vais pas vous mentir, défenseur central, milieu défensif, ça m'intéresse pas. Donc là, je vais vraiment cibler que les attaquants. Avec Nkunku, Diaby, bah pourquoi pas? En définitive, pourquoi pas le tester? On a aussi un gros Alphonso Davies qui pourrait peut-être être très très fort. On a Mané qui est en Tots Moment qui pourrait être cool. Colomwani peut être sympa aussi. Et puis bon, on a Kobel, voilà, petit gardien suisse. Pour la rêve, ça peut être sympa. Mais sinon, franchement, c'est la Bundesliga, c'est pas le championnat dont je suis plus fan. Mais c'est sympa d'avoir des joueurs pour pouvoir les tester. Et de toute façon, il nous faudra des joueurs pour pouvoir faire la coupe. Parce que bah, y a de nouveau cette coupe là où on doit gagner pour avoir un pack garanti Tots. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. On a quelques packs en boutique, pas énormes. Et surtout les récompenses de champion. Donc 11, comme je vous l'ai dit. Du coup, on va ouvrir ça vite fait. Et puis voir un peu ce qu'on peut avoir. Ça va, ça joue en Coupe d'Europe le prochain. Ouais, ça a été validé. Alors laquelle, on sait pas encore, mais en tout cas, on est certain d'être dans les places pour l'Europe. Donc très très bonne saison. Après, voilà, la seule déception qu'on va avoir, c'est cette demi-finale de Coupe de Suisse où on a largement la place d'aller en finale et on la rate. Mais ouais, non, très bonne saison. Franchement, ça fait plaisir. Et faudra voir, le mercato va être important. Oh, Tots, non, vraiment? Ah oui, la Tots, ouais, d'Arabie Saoudite, c'est ça? Tambakti, ok, nice. Bah écoutez, on prend. C'est vrai qu'il y a Cristiano Ronaldo. Eh bah écoutez, ça fait le 22e, comme ça, sans prévenir, 22e, let's go. Un Ronaldo serait magnifique. Ouais, aussi, ouais, il y a Ronaldo. Après ça, qu'on peut pas tellement l'avoir dans les tots là qui vont être proposés, mais oui, pourquoi pas. Ok, agilité et équilibre à 99 pour un défenseur central, les gars. C'est un peu énervé. Ok, bah pourquoi pas. Il doit être du coup fortement jouable, bien évidemment. Tous les postes, c'est quoi, DC, ok. Bah écoute, si un jour on pack Ronaldo, pourquoi pas se faire une équipe avec lui, hein, on sait pas. Ok, eh bah écoutez, le premier qui tombe, ça fait plaisir. Les gars, franchement, je m'y attendais pas. Dans ces packs là je m'attendais pas forcément à grand chose. Mais écoutez, un petit tot, ça fait toujours plaisir. On a un petit Luis Alberto derrière. Donc plutôt cool. Ok, alors après c'est avec les doublons, enfin, peut-être qu'on en fasse quelque chose maintenant. On va aller voir les SBC. Bon là c'est des doublons vendables. On va aller voir les SBC aussi qu'il y a à faire si jamais on a des gros doublons. Parce que je crois qu'il y a les icônes. Il y a un SBC icône qui est sorti, sauf erreur de ma part. Je peux avoir un pack 11 joueurs 80 plus Bundesliga en faisant un triplé en un match avec un joueur de Leipzig. Ah oui, d'accord. Contre n'importe qui, même contre quelqu'un du chat. Parce qu'à tout moment, les gars, je lance un match et vous venez, on se tabasse. Hein. Deux packs rares. Oui, il y a le pack icône. J'ai eu Vidic Totti. Oh, nice. Putain, j'ai vu du sombre, j'ai cru que c'était bleu, mais non. Non, Rivols ou Clash. Ok, Rivols ou en Clash. Bon. Un petit peu chiant. Mais bah écoute, on verra. On verra si on le fait. Après là, on va quand même focus la Coupe Bundesliga. On va voir. Et le deuxième pack rare ici, c'était les petits packs qu'on avait en boutique, qu'on avait gardé pour ouvrir en live avec vous, même si on n'avait pas forcément avoir grand chose. Buteur anglais. Jimmy Vardy. Ok, on prend ce vendable. Donc du coup, hop, ça liste tout sans problème. Parési. Ah ouais, vous faites pas trop envie avec vos packs icônes, les gars. Vous faites pas trop envie avec vos packs icônes, j'avoue. Ok, bon, pas forcément dingue. Ensuite, objectif, pas du tout. C'est pas du tout là que je dois aller. Il faut qu'on aille dans défi création d'équipe, je vais aller voir. Dans les favoris, renfort, connexion, tots quotidien. Ah ouais, faut que je fasse ça, mais bon, j'aurai jamais tout ce qu'il faut parce que malheureusement, j'ai vraiment raté plein de jours vu que j'étais en vacances et tout. Mais bon, si je peux récupérer un petit pack, on prend, hein, on sait jamais. Je crois que le prochain pack que je récupère, en plus, c'est un pack Ligue 1. Donc pourquoi pas pour la tots Ligue 1, ça peut être sympa. Alors en live, la porte Reus, c'est assez intéressant, hein, mine de rien. Reus peut être assez cool à faire puis à jouer. Gnabry aussi, hein, des stats plutôt intéressantes. Franchement, ils ont sorti des belles cartes. Hein. Ils ont sorti des belles cartes pour la Bundesliga. Ça fait plaisir d'avoir une Bundesliga approximativement jouable. Défi Tots 5. Vas-y, on va mettre ça en favori parce qu'il y a de l'XP. Renfort icône 90+, on va le mettre en favori aussi. Ok, et donc ce sera ça qu'on va focus ici. C'est quoi ça? Ça demande quoi? Pays région maximum 4. D'accord. Club minimum 3. Ok. Joueur de championnat maximum 5. Ok. On va regarder les joueurs allemands, je pense. Parce que de toute façon, on va en repaquer après derrière quand on fera des SBC. Ça reste quand même des joueurs vraiment intéressants.
que tu peux utiliser si t'as une Bundes, comme j'ai encore une fois, si t'as une Bundes, tu vois, nous, c'est quelque chose qui va pas nous intéresser parce que, ben, on n'a pas du tout l'âme du championnat. Donc, après, si on pack un des plus gros, on va sûrement essayer de les rentrer dans l'effectif pour essayer. Mais bon, pack 8 joueurs Ligue 1. Écoutez, on prend. Malheureusement, ouais, j'arriverai pas à faire un tout. Hein. La 22, laisse tomber. Hein. Je prends le prochain, peut-être 12 et encore, on verra. Alors, du coup, boutique, qu'est-ce qu'on a récupéré à part le petit joueur là? Ligue 1 et Bundes. Vas-y, bon, on tente. On sait jamais. Ici, non. On skip. Ok, Dani Olmo et Romero, ça nous intéresse pas. Et 8 joueurs Bundesliga. Oh! Mais non. Let's go! Kolo Muani, bah parfait, c'est un qu'on avait ciblé, les gars. Bah, Randall qui vient, comme ça, au calme. Oh, il doit pas coûter très cher, du coup, j'imagine, s'il tombe aussi facilement. Mais let's go! Vendable? Non, je crois pas. Ah, vendable! Ah oui, bah, oui, vendable, ok, nice. Bon, bah, ça vaut rien, Kolo Muani. Pourtant, double 4, français, peut être intéressant. On va le garder parce qu'on va devoir faire la coupe Bundesliga, mais on va sûrement le vendre après, quoi. Ah bah, let's go! Hey, mais les gars, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça, Dortmund? Pourquoi j'ai autant de chance ici? C'est quoi ce délire? Attendez voir. Allez, jouer, fut champion. On va aller donner la dernière win, les potes, et on y go. 11. Du coup, on aura deux choix 84+, deux choix TOTS Bundesliga, un pack joueur rare et un pack ultime pour se faire plaisir, les potes. Et puis voilà, hein. Donc on va vous remontrer encore une fois ce qu'on aimerait. Bah là, on va cibler plus précisément. Allez, Nkunku, Bellingham, Diaby, Davis, Mané, Cobble. Pour la beauté du sport. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Ok? Allez, let's go. 84+. Ok, Maignan, 87, c'est bien. On a rarement des notes au-dessus de 84-85, donc bon, on prend un. Et ici, voilà, bon bah 84 Hummels, fallait qu'on ouvre notre bouche, hein. Tant pis. Vendable celui-ci ou pas? Vendable, let's go. Ok, allez, c'est maintenant. Attends, est-ce qu'il y a une histoire à raconter avec les drapeaux plutôt intéressante? Ah, drapeau anglais, il n'y en a qu'un seul. Ah, vas-y, on va les affronter, hein. Bon, c'est pas ouf. Coup de Sané, pourquoi pas, hein. Il va jouer offensif, en plus il peut jouer à gauche ou à droite. Tu peux vraiment, au niveau de la création, être assez libre. Frimpong, j'ai pas assez de choses pour le faire rentrer. Sané sera peut-être plus simple. Éventuellement, vu que Bundesliga allemand, ça fait le combo. Frimpong 300k, ouais, alors après, le prix, je m'en fous, en vrai. Hein. C'est vraiment ceux que j'ai envie de tester et de jouer, et pour la Coupe Bundesliga. Et je préfère peut-être avoir un Sané ici, qui peut jouer à gauche et à droite, que autre chose. Ok, Sané, ça fait plaisir, hein, qu'il soit en forme, qu'il revienne en forme. Et Frimpong peut jouer MD. Ouais, mais ça m'intéresse. Alors vraiment, désolé, je préfère m'amuser avec Sané. Deuxième choix, les gars. Allez. Ok, bon, bah super. Bon, bah Cobble, hein, on a eu Cobble, on le voulait, peut-être qu'on va le prendre. Fulcrux, il dit quoi? Double 4? Ouais, non, on va prendre Cobble ici. Bon, les choix rouges sont pas ouf, hein, on va pas faire genre, hein, ça reste quand même pas forcément fou, hein. On a les plus petites notes possibles, 91, 92, c'est pas forcément fou, hein. C'est pas forcément fou sur cette Bundes. Mais bon, écoutez, on prend, on a Cobble, quand même. Petit gardien suisse, ça fait plaisir. Et puis voilà, let's go. Ça nous aidera pour la coupe Bundesliga. Et du coup, bah, on a récupéré aussi quelques petits packs ici, pour voir ce que ça peut donner, avec un pack joueur rare et un pack ultime. Allez, vendable. Donc si on pack des trucs, ça peut être cool. Ici, une animation, mais malheureusement pas... pas plus, ce sera Marco Verratti 87, plutôt cool. Hop, on va le mettre sur la liste et le reste, vas-y, le reste on s'en fout. J'ai fait une pelle Bundes et c'est vraiment bien. Ah oui, mais de toute façon tu t'abuses maintenant. De toute façon tous les joueurs sont un peu jouables. Pack ultime, on n'a jamais rien packé. Ah, enfin Pays-Bas, bah défenseur, bah voilà. Comme quoi, j'ai bien fait de pas le... Tu vois? Bien fait. Frimpong, tu vois? Allez, est-ce que ça cacherait pas éventuellement, mais éventuellement, hein, un petit Davis de l'autre côté? Ou un Lacroix? Possible, hein? Peter Crouch, je m'attendais pas du tout à ce type de carte-là, mais pourquoi pas. Ok, nice. Bah écoutez, c'est cool, on va le tester, 200 000 crédits environ, Frimpong. Bah de toute façon, on va le tester en Coupe Bundesliga, donc du coup, ça fait plaisir de les avoir chopés. Bah bonjour Peter, bah exactement. Bonjour Peter, comment allez-vous monsieur? Non, propre. On va faire le petit SBC que je vous ai promis, bien évidemment, pour terminer avec un renfort icône, histoire de s'amuser, ça nous fait des petits packs en plus encore. Pack icône Prime, Totti, Fut Birthday, Titan, 90+. Bien évidemment, les gars. Bon, bien évidemment, on va se mettre un petit cash. Ça me fait mal au cœur de voir Rashford parce qu'on l'a pas eu. Et on y va, les gars. Alors... Eh ben, c'est de la merde. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Physique, défense... Oh là là, c'est pas possible. Frère, je veux bien que c'est Ferdinand, que c'est un ancien United, mais filer des... Mais pourquoi, en fait? C'est 90 plus avec toutes les versions possibles. Je me prends la pire version avec la plus petite note. Sérieux? C'est... En plus, j'ai déjà acheté sa version mieux. Bah écoutez, les packs icônes cette année, c'est vraiment pas pour nous. Vraiment, c'est vraiment pas pour nous. Mais bon, c'est la vie, les gars. Bon, bah écoutez, les récompenses, c'était pas folle. Ma foi, c'est comme ça. On espère que ça sera mieux la prochaine fois. Mais bon, après, c'est la Bundes, c'est pas bien grave.